c'est l'hiver, qu'est-ce qu'on prépare à votre avis? T'as une petite idée? Le mix au pain pour pécho aux méthodes. Là, on va faire de la chapelure de pain d'abord. Et c'est parti, bouchez-vous les oreilles. Faut rien dire. Surprise. Des petits tests. On verra si ça fonctionne. Pour les gens qui découvrent cette vidéo et qui ne connaissent pas la pêche au pain, aux méthodes feeder bien sûr, je vous invite à cliquer sur le lien juste là, si je fais correctement mon travail. Et vous pourrez découvrir cette recette que j'ai partagée maintenant, ça va faire 2 ans je crois, qui tourne bien, qui intéresse beaucoup de gens. J'ai eu d'excellents retours de plusieurs pêcheurs. La seule difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, c'est le mouillage, les préparations, parce que c'est un produit qui absorbe très rapidement l'eau. Donc si vous mettez trop d'eau, ça devient de la bouillie et c'est pas évident à pêcher aux méthodes après. Donc j'ai trouvé une solution, je suis en train de tester, absorber cette eau en trop, parce que malheureusement on peut se tromper, et ça permet de récupérer votre mixture et de pêcher correctement et avoir quelque chose d'assez homogène. Voilà. On va pêcher en Normandie, toujours, dans la petite rivière sauvage à côté de chez moi. On va essayer de faire une pêche. On a des coefficients, donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes contraints avec la mer, parce que la mer ici est à vol d'oiseau à 200 mètres. Donc nous sommes contraints au marais, et là on a une semaine avec des coefficients très très bas, 30.
Malgré le froid, je ne pense pas que les températures d'eau ont chuté. Et en rivière, bon, le poisson est toujours plus ou moins actif. La difficulté, comme dans toutes les pêches, c'est de le localiser. Là, je vais me mettre en zone de confort. Je vais être sur un poste que je connais bien. Je sais que le poisson passe. S'il est là, on aura peut-être la chance d'en faire quelques-uns. Au moins une, je serai content. Une belle commune. Les amis, je vais m'installer. Et on se retrouve, j'espère, avec des poissons. Ou en tout cas, vous expliquer un petit peu mon approche, tout simplement. Mais vous la connaissez. Il y a déjà plein de vidéos sur cette rivière. En tout cas, ça me fait super plaisir de reprendre la caméra et de vous partager un peu. Petit moment au bord de l'eau avec moi. Ça va pas être une pêche d'enrondement, bien sûr, hein. C'est quelques poissons, peut-être même une seule carpe pour rien du tout, ça c'est la pêche, on verra bien. Je voulais vous montrer, donc vous avez peut-être dû voir tout à l'heure, j'ai utilisé un ustensile, un bait dropper pour amorcer, c'est quelque chose que je teste. Donc c'est Lolo, la chaîne plombée et poisson de fond. Alors si vous connaissez pas, je vous invite à aller voir sa chaîne, et puis si ça vous plaît, à vous abonner, le lien sera juste au-dessus, voilà. Cliquez dessus, puis vous irez voir. Donc c'est un bait dropper, voilà, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure. Donc là je suis en train de tester, en fait, hein. C'est la première fois que je l'essaye, j'avais pas eu l'occasion. Pour l'instant j'ai pêché qu'au feeder. En fait là c'est la version, on va dire, soft, hein, légère. Il est encore plus gros pour les plus gourmands, pour la rivière. Après il faut avoir une canne aussi qui puisse emmener ce système pour amorcer. Donc le but c'est quoi? C'est de remplir la cage ici, hein, comme vous pouvez le voir. Comme vous avez pu le voir, on vient refermer, on met la petite butée, voilà, donc là c'est fermé, et quand ça va aller au fond, vous allez toucher le fond avec le poids du bait dropper qui va descendre, hop, ça ouvre la boîte et ça dégage l'amorce dans le fond et les appâts vous y mettez. Alors, je l'ai fait au maïs, hein, j'ai amorcé au maïs doux avec un peu de farine, parce que ici c'est des poissons qui sont habitués aux pêcheurs au cou, et donc ils viennent facilement sur la farine, et donc, du coup on les feinte comme ça un peu, quoi. Bon les amis, la première carpe de la saison en rivière. Je suis content de ce petit tapis de réception de chez Corum que j'ai investi là. Je vous montrerai, tout plié, il prend pas de place, mais là c'est pratique. Voilà. Voilà une sympathique commune. Un peu d'épuisette. Voilà les amis. Sympa, voilà. Non, commencer la saison. Zou, on va aller la remettre à l'eau. Hop. Cool. Le téléphone de pêcheur. Je commence à avoir une crampe là. Mais non, c'est pas grave. Si je commence, j'ai essayé de me mettre à genoux maintenant, c'est difficile. Hein. Il m'a fait des pièges. Yes. C'est cool, hein? C'est bon?
Allez, mes mères, hop. Voilà, je ferai vraiment les poissons plus aux méthodes. Nickel. Bon, elles sont un petit peu plus petites, mais bon, façon de parler, parce que ça reste quand même des beaux poissons. Voilà, ah, je dédicace cette belle brème à Sébastien Rousseau. Je pense qu'il serait content d'être avec moi aujourd'hui. Voilà, je sais que c'est un passionné de ce poisson. Hop. J'ai enfumé le visage. Vous êtes encore là? Mais c'est fini la vidéo, les amis. Faut partir. Ouais, je profite, moi. Il faut que ça sèche un peu. Donc, comme les poissons sont là, j'essaie de refaire un ou deux poissons, quoi. Mais allez, salut. Donc là, je viens de remouiller mon amorce. Alors, ce que je disais, donc c'est l'amorce que j'ai préparée. Donc, elle a gonflé un peu. Je l'ai remodifiée, vous voyez. Et dedans, j'ai rajouté ce que j'ai expliqué. Là il y a du maïs, des asticots morts que j'avais congelés, de la noix tigrée, vous voyez il y a de la couleur. Je pense que cette couleur là va attirer les brèmes, en tout cas attirer le poisson. Donc ça va pas être pas mal pour pêcher à la cage, c'est ce que je vais utiliser. Et puis aux méthodes ça sera plus du pelé, 100% pelé quoi. Voilà les amis, c'est prêt à pêcher, il n'y a plus qu'à maintenant. Bon, on va essayer de ce coup-ci de ne pas décrocher. Ouh, un beau poisson, les amis. Ouh là 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 là. Un paveton de... Ah, je crois que c'est ma plus grosse de la journée.
Ouah, là, un beau paveton. Regardez-moi ça. Impressionnant. Nickel, si t'es venu pour ça, enfin, elle rentre. Oui. Eh ben, il y a du poids. C'est bon ? Allez-y, mitraillez, faites-vous plaisir. Vous allez après, c'est... Ok. Ouais, c'est bon, allez, on va s'occuper des poissons maintenant. On va remettre les pépettes à l'eau. Une magnifique... les beaux plateaux de brème. Allez, une. Parce que je n'ai pas compté. Deux. Trois. 4, 5, 6, 7, 8. Elle n'est pas reponnée ? Non. Il a fait un sacré combat. Voilà, petite commune. À la Pasta, à 9,50 m. Joli poisson. Magnifique. C'est un joli combat. Hein. Bon bah les amis, je suis dans les communes, ça continue, ça va être mon sixième poisson. J'attends pas longtemps les touches, j'ai attendu une heure en fait avant d'avoir les premières touches et depuis maintenant c'est un poisson tous les 5-10 minutes quoi. Donc bah, c'est cool, je surveille l'autre ligne quand même. Voilà, bon c'est du même calibre, hein, à part la première tout à l'heure que j'ai faite qui était magnifique, mais bon c'est des beaux poissons quand même. Hein. Voilà, allez, on la remet à l'eau tout de suite. Belle commune, bien grasse, en pleine forme. Franchement, faire ça au feeder, comme j'étais en train d'expliquer,
Regardez-moi ça, ce poisson. Regardez. Il est beau. Hein. Nickel. Allez, cette face-là. Et puis on va le remettre à l'eau. Magnifique poisson. Yes, cool. Waouh. Belle robe. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure. Bye bye.